Bonjour à tous, bienvenue sur Arkylon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In the Boîte du merveilleux, du somptueux, du sublime F14A VF-41 Black Ace. Donc voilà, une édition limitée de chez Great Wall Hobby qui est plutôt sympa et une boîte bien rempli. Avant ça, je voulais faire juste une petite aparté. J'ai vu un commentaire comme quoi, en gros, bon, les In the Boîte, c'était tout le temps un peu pareil. Alors malheureusement, j'ai essayé d'y réfléchir, de trouver une autre façon de faire et autre, mais j'ai pas trouvé, quoi, hormis peut-être m'accrocher au plafond et faire l'unboxing à l'envers. Non, bref, forcément, on est un peu obligé. Bah voilà, on vous montre la boîte, j'ouvre la boîte, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur comme si c'est vous qui l'ouvriez. On regarde voilà, tout ce qu'il y a dedans. Après, on fait un petit tour sur les grappes, ce qui est intéressant, ou en complet, ça dépend un peu du volume. Et puis après, on parcourt la notice. Voilà, n'hésitez pas, si en commentaire, vous avez d'autres idées pour dynamiser un peu les choses, rendre voilà, la chose moins systématique, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis pour faire avancer un petit peu la chaîne et puis aussi avancer voilà, le rendu que vous voulez. Donc voilà pour la petite aparté. Du coup, je rajoute, si ça fonctionne, une petite caméra tête que je mettrai en haut à droite. Voilà, bon, comme ça, vous gagnez ma tronche en même temps que je regarde ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, bon, je ne pense pas que ce soit forcément obligatoirement ou hyper intéressant, mais je me dis que des fois, de voir la personne parler, c'est pas si mal. Ok, du coup, revenons-en à nos petits moutons. Cette jolie boîte hein, de chez Great Wall Hobby, donc c'est mon premier kit GWH. Voilà, donc il m'a tapé dans l'œil, c'est du 1/72e, un petit F14, donc ça fait bien plaisir. Voilà, sur le tour de boîte, donc là, j'ai plus qu'une caméra en haut hein, qui est un peu courte, mais le tour, voilà, c'est exactement la même chose partout, donc ça sert à rien que je vous fasse vraiment le tour, même si je suis allègrement en train de le faire. Voilà, donc boîte sympa, design sympa, on a voilà, le modèle qui est représenté, les éditions limitées 1/72 comme ça, des F14, il y en a un ou deux, je crois. Et du coup, ils sont un peu sur ce thème-là, donc on va, sans plus attendre, bah, évidemment, ouvrir cette petite boîte. Et vous allez voir qu'elle est très bien remplie. Alors, ce que je disais en intro, c'est un super kit. Il est magnifique. Il y a beaucoup de pièces où on est sur du 1,72. Et vous verrez dans la revue des grappes après, il y a vraiment des pièces. On a l'impression que c'est de la résine, notamment les roues. J'essaie de les sortir là en même temps que je déballe. Donc là, les roues, voilà, on dirait vraiment de la résine. Alors que non, c'est du plastique et tout le kit est comme ça. Hein, je vous montre un peu parce que j'ai fait une sélection sur la grappe. Parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Hein. Il y a déjà ça. Ensuite, on a là la partie fuselage. On a presque de l'emballage unitaire partout. Les ailes aussi. Là, voilà. Alors non, on n'a pas totalement de l'unitaire. Alors plus après, mais voilà, ils ont quand même regroupé quelques pièces. Ou alors, c'est peut-être moi... voilà, donc là, la partie basse, le dessous de l'avion, hein, qui est magnifique. Là, regardez, vous allez le voir après vraiment proprement. Mais là, le petit détail ici des câbles, etc. On est sur du 1,72e. La gravure est hyper fine. J'ai pas vu de flash non plus dessus. Je vous fais le débrief avant la review des grappes, en fait, au final, hein, parce que je l'ai déjà ouvert complètement. Donc, on a cette grappe-là. On a les parties transparentes, donc on laisse bien emballer. Hein, petit conseil pour les débutants, ça, vous le sortez que quand vous l'utilisez. Vous laissez bien emballer, sinon vous allez vous retrouver avec des rayures partout. Les verrières sont superbes aussi. Donc là, vous voyez, hop, celle-là, tout de suite, je la mets de côté. Et on a beaucoup de petites pièces. Donc, évidemment, voilà, je ne vous ai pas tout montré. Il y a pas mal de pièces d'armement qui sont là. Voilà, tous les petits sachets, c'est l'armement. Donc là, on a le choix. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a des missiles, etc. Alors là, je ne m'y connais pas trop en armement sur les jets. Hein. Ça sera l'occasion de se rencarder. Et puis, on a encore, vous voyez, un sachet là complet, blindé de pièces. Je rappelle qu'on est sur du 1,72e. Ça fait déjà vraiment beaucoup de pièces pour du 1,72e. Hein. Quand je vous dis que la boîte est pleine et c'est pas terminé, on a ces parties là. Donc ça, c'est les parties d'ailes justement rétractables. Donc ça fera même au 1,72e un très très beau bébé dans sa vitrine. Et si j'arrive à le réussir, normalement, il devrait avoir fière allure. On a encore, voilà, donc ça, c'est tout ce qui est siège éjectable et tout ça. Là, on a encore une nouvelle fois de l'armement qui est là présenté, proposé. Je ne sais même plus où mettre les grappes. Voilà, et puis ce dernier petit sachet. Et vous avez ensuite, pareil, les décales, donc là avec les insignes américains, qui ont l'air assez propres de ce que j'ai vu. Vous avez la notice, bien sûr, qui est là, donc en papier glacé, on va la voir derrière. Et puis là, à mon avis, j'imagine que c'est des petites rectifications par rapport à la notice qui sont ajoutées. Et vous avez encore ici la planche de décale qui est plus complète avec un peu de photo découpe si j'arrive à vous le montrer. Parce que ça, en fait, je crois que je l'avais même pas vu et j'ai pas dû le montrer dans la revue des grappes. Parce qu'en fait, je vous dis ça en avance puisque j'ai déjà filmé cette partie-là dans la cabine photo, etc. Donc là, je viens après, moi, pour vous montrer ça. Donc là, vous voyez, on a deux. Donc ça, j'avais montré les décales. Par contre, voilà.
C'est les petites parties de siège éjectable que j'ai dû oublier complètement de montrer. Comme ça, vous les voyez maintenant. C'est aussi l'objet d'ouvrir la boîte. Et puis, on a aussi ce petit insigne qui est là, avec une pin-up qui n'a pas l'air très, très habillée. Donc, voilà pour les petits décals. Ça, je vais les remballer tout de suite. Donc, voilà pour le contenu. Hein, vous voyez, on est, je disais, hein, sur du 1/72. Il y a énormément de pièces. Vraiment, là, ça fait vraiment beaucoup. Donc, c'est gage pour moi d'un montage qui va être plutôt très qualitatif, hein, puisque ouais, il y a beaucoup de pièces, donc c'est que c'est forcément très détaillé. Plus il y en a, je dirais que mieux c'est. Donc voilà, pour tout ce qu'il y a, hein, je remontre un petit peu, je vais mettre les décals de côté, parce que pour du 1,72, il faut quand même de la place, mais voilà, si je vous étale tout ça en caméra haute, voilà à peu près tout ce qu'il y a, plus la partie transparente. Donc voilà, une boîte bien pleine. Donc sans plus attendre, une petite sélection des grappes en détail filmées dans la cabine photo pour que pour vous soit vraiment net, propre et agréable. Vous me direz, hein, c'est une nouvelle façon de faire pour moi, mais je pense que le rendu est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte du détail. Et puis on se retrouve juste après pour l'étude, enfin la visualisation, allons-nous dire plutôt, de la notice. Alors voilà, j'espère que vous avez pu profiter des grappes dans la boîte à photos. Donc je pense que le résultat, c'est quand même vachement mieux pour vous, hein, comme j'ai dit avant. Voilà, donc c'est un kit vraiment somptueux. On n'a pas parlé de tarifs, c'est un kit qui coûte entre 50 et 60 euros. Donc vous me direz que ça peut paraître un peu cher
pour du 1,72e, mais là, franchement, c'est tellement qualitatif que, honnêtement, on en a pour son argent. Hein, preuve en est avec les roues hein, que vous avez vues voilà, dans la cabine. Hein. Franchement, regardez le niveau de détail. On n'est pas sur de la roue résine, hein. On est bel et bien sur de la roue plastique, mais franchement, le niveau de détail est assez ouf pour cette échelle et il est franchement à peu près comme ça sur toutes les pièces. J'ai pas vu de flash, on a même l'effet, vous voyez, l'effet run flat, là, l'effet pneu. Pneu qui est, enfin l'effet du poids de l'avion sur le pneu là, donc le pneu là il est légèrement, voilà il est affaissé, hein. Donc ça c'est plutôt, vraiment plutôt sympa, hein. C'est la première fois que je le vois sur des roues plastiques de base comme ça fournies avec le kit, donc en effet tarif un peu élevé pour du 1,72 mais franchement le kit est vraiment somptueux, je le mets un petit peu au-dessus encore que celui de Models Vite du Mirage que je vous avais montré qui était aussi un très beau kit au 1,72e. Donc là, bien sûr, sur tout ça, bah, on ne parle pas de l'assemblage, comment ça s'assemble, etc. Gretwall Hobby, ça a plutôt franchement une bonne réputation. On est plutôt dans les marques d'un niveau assez haut. Voilà, de finition, etc. Donc, on peut partir confiant. Évidemment, seul le montage dira si oui, c'est, ça se monte sans problème, si c'est du caviar ou non. Voilà. Pour ce qui est de la notice, donc on va faire peut-être un tout petit peu de zoom. Donc voilà, the notice couleur, papier glacé, vous allez voir, elle est super sympa pendant que je joue avec le zoom. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça tout simplement. Donc on a toute la partie des grappes ici. Donc là, vous voyez, il y en a vraiment énormément. Je vous remonte le détail. Voilà, ça tient sur deux pages. Hein. Et puis on arrive sur la notice. Donc c'est une notice en 3D avec représentation 3D des pièces à l'air. Je l'ai déjà parcourue. On va la parcourir vraiment brièvement. Mais il y a quand même beaucoup de pages hein, puisqu'on est au total pour finir le montage avec voilà, les modèles présentés. On est quand même pour du 1,72e. Voilà, on va s'arrêter là sur à peu près 15 pages. Donc c'est plutôt cool, hein. Donc évidemment on attaque avec toute la partie cockpit, ça a l'air vraiment très bien décrit avec les décals à poser, etc. C'est vraiment bien foutu, et vous voyez c'est assez sympa hein, cet effet 3D sur les pièces, comme ça ça permet de bien se représenter, ça c'est vraiment un point positif que j'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment clair cette notice, donc après c'est pareil, quand on la visualise comme ça, ça paraît clair, puis des fois au montage on se pose quand même des questions, c'est finalement pas si évident, donc là c'est pareil, hein. La seule façon de le savoir c'est de le monter, donc celui-là il donne envie. Là, j'aime bien aussi cette partie-là avec le nez qu'on peut vraiment préparer. Vous voyez, dans ce montage-là, on va pouvoir monter tout le cockpit, l'insérer ici dans la partie avant. On choisira si on ouvre l'avant d'ailleurs ou pas. Là, vous avez la possibilité. Et hop, on mettra ça de côté. Ça sera prêt. Après, on pourra s'attaquer à toute la partie fuselage. Vous le faire plus ou moins en même temps, le temps que certaines choses sèchent, etc. Maintenant, vous connaissez les procédés. Et puis après, vous voyez, on va venir juste le remboîter dedans. On fera du montage à blanc, bien sûr. Et après, notre F-14 va gentiment se construire. Hein, on rajoute toutes les gouvernes, etc. Voilà, c'est un avion qui a une super gueule. En plus, ça va être un beau bébé. Hein. 1,72, évidemment, ce genre de jet, c'est déjà assez gros dans la réalité. Donc là, ça va être quand même un beau modèle. Au 1,48, j'en ai un autre un peu soviétique de la même marque qui doit faire à peu près la même taille. Et franchement, il est vraiment, le fuselage est vraiment énorme. À tel point que voilà, je ne sais pas où je vais le mettre une fois que je l'aurai monté, celui-là aussi. Donc voilà, après on continue, là déjà, bon, il y a pas mal d'étapes et de pages, mais ça a l'air quand même plus rapide à faire, plus simple. Donc on va continuer, ce sera l'occasion de voir les tuyères là, qui sont représentées ici. Oups, voilà. Donc voir comment on fait ça, ouais, c'est le genre de kit aussi où vous n'avez pas spécialement envie d'acheter de la résine en plus pour compléter, de la photo découpée, etc. Je pense que From the Box, le kit va être super. Vu le niveau de détail, c'est sûr, il sera superbe. Donc c'est, ouais, c'est 50-60 euros, mais à la limite, si vous rajoutez rien, vous savez que vous aurez un très très beau modèle à la fin. Et puis après, bon voilà, on a quand même pas mal de pages qui sont consacrées à l'armement, donc somme toute, bon voilà. Il n'y a pas tant de pages que ça, bon, quand même une douzaine pour du 1,72, voilà. Mais c'est vrai qu'à voir là le montage, ça n'a pas l'air aussi compliqué par rapport au nombre de pièces. Je pense qu'il y a énormément de pièces qui sont pour l'armement, évidemment. Et puis on a la représentation ici justement de l'armement et du, pardon, je vais y arriver, et du modèle qu'on va réaliser. Donc là, il propose qu'un modèle, hein, c'est le Black Ace, bien sûr. Donc moi, je me renseignerai sur l'histoire de cet avion, justement. Pourquoi ils ont fait une série limitée juste sur cet avion-là. Je pense qu'il y a une histoire derrière. Honnêtement, pour le moment, je ne me suis pas renseigné. Je me renseignerai quand je vais attaquer le montage. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Et on arrive à la fin de la notice. Alors, je voulais vous montrer autre chose que j'avais acheté avec. C'est MIG qui a sorti ces bouquins-là.
Les O2 Paint, US Safe Navy, ils ont fait le même sur le Spitfire, etc. Donc j'avais pris un peu dans l'idée voilà, de voir comment ils faisaient, j'aime bien les bouquins, vous savez, hein, comment ils faisaient la peinture du gris, voilà, de la Navy et tout ça. Donc voilà, c'est un livre plutôt pas mal, donc qui est ultra, totalement, complètement orienté MIG, parce que normalement, ce bouquin-là est fourni dans ce qu'ils appellent les solutions box qu'on voit ici. Donc là c'est Solution Book, mais ça s'appelle Solution Box, où en fait c'est une boîte avec tout le matériel prévu pour faire par exemple le Spitfire ou pour faire un avion de l'USF Navy. Donc voilà, il vous présente le modèle terminé, donc c'est bien foutu, j'en profite, je le feuillette parce que voilà, si certains se demandaient, alors évidemment faut vouloir travailler avec les produits MIG, et du coup ça m'a donné envie, je me demande si celui-là je vais pas le monter avec tous les produits MIG. Il vous présente le modèle qui est fourni, donc c'est un F-15, mais en termes de couleur on va être pour moi à peu près sur la même chose, le Withering pareil, et puis après voilà, vous avez les étapes de peinture, ce qu'ils font, alors c'est pas ultra détaillé, hein, pièce par pièce évidemment, mais ça vous donne un bon aperçu de ce que vous allez devoir et pouvoir faire. Et puis voilà, on poursuit comme ça, hein, les roues, etc., les parties de masquage, les différentes couleurs, donc évidemment, produit exclusif MIG. Alors du coup, je me demande, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse un modèle finalement avec des produits MIG, parce que là, bon, j'en ai déjà de certains de ceux-là, il faudrait juste que je rajoute les peintures et puis le transparator qui a l'air assez... a l'air plutôt pas mal. Voilà, j'ai quelques produits, c'est pas un énorme investissement. Si vous voulez qu'on fasse un avion en testant en même temps full peinture et produit MIG, c'est plutôt full peinture MIG, hein, qui m'intéresse, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que là j'ai toutes les références, puis voyez, vous montre tout ça, on retrouve les oil brochures que j'ai déjà, donc j'en ai déjà pas mal en fait. Bon, les vernis, j'utiliserai sûrement les miens par contre, et puis voilà, là, ils vous refont une présentation de ce modèle qui est vraiment magnifique. Et puis là vous avez aussi le F-14 Tomcat qui est là, donc plutôt cool. Donc voilà, pour ces petits bouquins, donc qui sont sympas, bien faits aussi, également. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on fasse ce montage-là, full produit MIG, plutôt terme de peinture. Donc voilà, on va pouvoir refermer cette In The Boîte numéro 21. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, merci hein, pour tous ceux qui suivent, tous les commentaires, pour les pouces en l'air, toujours, même si là en ce moment j'ai du mal à vous sortir des vidéos plus souvent, vous êtes toujours présents, toujours plein de commentaires, ça fait super plaisir, donc vraiment, voilà, pour le soutien, c'est top, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez voir la suite, le unboxing, le In The Boîte, pardon, numéro 22, qui concernera cette fois non plus un avion, mais un blindé, et quel blindé, voilà, il passe pas vraiment sur la caméra, mais le joli SDK FZ182 alias Tigre 2 qui est magnifique. Donc c'est un modèle de chez Daswerk, mais en fait c'est un modèle de chez Tacom, voilà, il y en a plein dans la boîte, donc n'hésitez pas aussi, voilà, à suivre si vous voulez voir le contenu complet et la notice de ce modèle. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.